Notre promenade va durer une trentaine de minutes. C'est le temps nécessaire pour nous afin de parcourir la pharaonique distance de 6 km qui nous sépare de notre destination. Une distance d'un peu plus de 450 km pour l'essentiel dans notre département. Il alimente le lac Saint-Point, qui est le troisième plus grand lac naturel de France. Il va également servir de frontière naturelle entre la France et la Suisse sur une cinquantaine de kilomètres. Alors, nous entrons maintenant dans les eaux frontalières. Dès à présent, la France sur la gauche, la Suisse sur la droite. Alors la Suisse est un État fédéral qui regroupe 26 cantons, formant chacun leur propre gouvernement et portant chacun leur propre couleur, leur écusson et leur drapeau. Athènes a été sous protectorat prussien jusqu'en 1848. Et c'est à cette époque que la grotte a été visitée par deux souverains prussiens, Frédéric Guillaume III et Frédéric Guillaume IV. Une longueur totale explorée de près de 180 mètres. À son bout, il y a un gros rocher qui semble vouloir tomber d'un instant à l'autre. On l'appelle le rocher du Sphinx à cause de sa ressemblance avec son cousin égyptien. Nos amis suisses, quant à eux, l'appellent la tête à Calvin, référence au dignitaire suisse protestant. Toujours en hauteur, maintenant à l'avant du bateau. Bien, nous en entrons dans quelques instants dans le quatrième et dernier bassin. C'est ici que vous avez 40 mètres d'eau sous vos pieds. Au fond du bassin, vous allez pouvoir apercevoir quelques chalets. C'est également là que se trouve. Et au loin, derrière les chalets, il y a une montagne. Observez ces strates géologiques, elles sont inclinées à 45 degrés vers le ciel. C'est le château repart immédiatement dès que vous aurez débarqué. Et donc les retours, ce sera 15h45, 4h moins le quart, et dernier bateau à 17h. 17h, dernier retour. Sinon, vous avez trois options, à pied, à la nage, ou attendre mes collègues demain matin vers 11h. Et maintenant vous venez, vous arrêtez de faire des acrobaties, c'est pas le moment, merci. Non mais là, il y a des gens qui s'aimeraient tranquille. Thank you.
C'est là-dessus que fin des années 40, on installait des tours en bois munies de plongeoires de différentes hauteurs. Et c'est d'ici qu'a sauté un célèbre français, Simon, qui a nommé le curé volant.